Waouh! Il y en a trop, ça va exploser! Voilà l'explosion! Tel un spectacle de fontaine! Bienvenue dans le défi Enid contre Mercredi et la nourriture! Restez avec nous! Les yeux de Mercredi ne sont pas pareils! Oh là! Vient-elle de l'air cracher? C'est effrayant! Mercredi, regarde cet œil dans mon assiette! Il me donne la chair de poule! C'est un bonbon! Regarde! Miam! Oh là là! Je vais tenter! Oh! J'arrive pas à le prendre avec mes baguettes! Ça y est! Ah! Un œil qui vole! Attention, Mario! Oh! L'œil s'est transformé en champignon! Oh, bon! Hein? D'où vient ce champignon? Goûte-le! D'accord. Pourquoi tu grandis? Le champignon devait avoir un pouvoir! Coucou, toute petite Mercredi! Je veux soulever la mienne en premier. Un nounours? Il est énorme! Et toi? Je peux le faire moi-même. Pareil, mais noir, bien sûr. Ça me donne envie de le détruire avant de le manger. Comme ça! Elle doit avoir vraiment faim. Quoi? Je peux manger des plus gros morceaux. C'est trop! J'ai plus faim! Une seconde, qu'arrive-t-il aux filles? Elles ne sont pas possédées, quand même! Elles se sont transformées en poupées Barbie! Vous entendez? Elles ont un besoin pressant! Trop de nounours! Elles ont intérêt à courir aux toilettes! Je l'ai fait! Waouh, quel soulagement! Voici les vermicelles! Ah, enfin! Et voici le chocolat noir! Les filles sont redevenues humaines! Oups! Un peu d'intimité! Ok, ça va mieux! Je vais faire trempette dans ce slime au chocolat! Tu joues avec ton caca? J'avais raison, c'est bien du chocolat! J'en veux d'autres! Miam! Je crois que je vais vomir. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle chouchotte! Moi d'abord! Un piment rose géant? Il est effrayant! J'adore le piment! J'espère que je vais avoir la même chose. Un M&M's géant? Il doit y avoir une erreur. Bark, pas bon. Mais bon, ça me donne une excuse de le pulvériser. Une seconde, il y a quelque chose à l'intérieur du M&M's. Des piments noirs? Quelle chance! Ils ont l'air bons. Oh ouais, j'adore avoir la langue en feu. Mercredi crache du feu comme un dragon. Attention! Ok, j'ai fait un vœu. Hein? Je peux faire un autre vœu? Poulet rôti instantané! Mon maquillage! C'était sympa, ça. Pardon. Je n'ai plus faim. Hein? J'ai peur qu'il soit trop fort, ok? Il faut que j'aie de l'eau en renfort. Oh, il n'est pas fort. En fait, il est super sucré. J'adore! Miam! Il y a du coulis de framboise en milieu! Tu veux ma photo? T'as quelque chose sur le visage. Dégage! Oula, on se calme, Médor! Une sucette? C'est nul! Super! Oh là là, j'ai une sucette rose géante! C'est Kissimissi à l'intérieur? Où est ma Kissimissi? Allez, sors de là! Ah oh, j'ai failli me casser une dent! Je retente. Oh oh!
Miam! Hein? Elle n'a pas perdu qu'une seule dent, mais trois! Tu es moche! Comment oses-tu? Il faut que je fasse quelque chose. Attends! Je sais! Le dentier de mercredi? Maintenant, il faut les remplacer. Lequel de vous trois? Huggy Wuggy! Ces dents à serrer me seront bien utiles. Que va faire mercredi? L'opération sera rapide. Le pauvre Huggy Wuggy a perdu toutes ses dents. Ce sont les miennes désormais. Je vais remplacer mes dents par celles de Huggy Wuggy. Une en haut et une autre en bas. Parfait. J'ai une idée. Je vais faire tourner la sucette avec une perceuse pour pouvoir la lécher sans fin. Waouh, ça chauffe avec la vitesse! C'est génial! Quelqu'un veut une sucette rôtie? Oh oh! Enid est en feu! Je devrais peut-être aider. Ouais. Attention! Ah! Oh, je suis sauvée! C'est bon! Trop facile! On dirait que ma sucette a été réduite en cendres. Oh, du coca noir et du coca rose! Je vais rajouter du miel noir au mien. Mon coca sera encore meilleur. Quoi? Je me suis changée pour l'occasion. Je vais congeler ce coca comme un bloc de glace. J'ai si froid! On est déjà gelé ici! Mercredi a-t-elle acquis les pouvoirs d'Elsa? Fini! Prête? Il s'est transformé en gélatine au coca. C'est tellement plus sympa de le manger comme ça. Ça a l'air bon. Je peux en avoir, s'il te plaît? Pas question. Tu as ton propre coca. Celui-ci, c'est le mien. Jalouse? Voyons. Ça, c'est une mûre de taille. Waouh! Soulève la tienne. Ok, j'y vais. Toutes ces fraises! Mais j'en veux une grosse comme celle de mercredi. Je sais comment améliorer mes fraises. Je les recouvre de fondue à la fraise. Trop bon! Hein? Burk! La fondue de mercredi est accompagnée d'un soin des pieds. On s'en fiche de l'hygiène quand on a faim. Miam! C'est délicieux. Les miennes sont toujours nulles. Je sais. Je vais me servir d'une seringue pour récupérer toute la fondue à la fraise. Puis, je l'injecte dans la fraise pour qu'elle devienne énorme. Wow! Je m'attendais pas à si gros. Qu'est-ce que... Il y en a trop, ça va exploser! Il pleut des fraises! Je vais toutes les engloutir! Waouh, ça fait beaucoup! Hein? Cette mûre était bonne, mais j'ai encore faim. Ah ah! Une fourchette en chocolat! Elle vient vraiment de manger la fourchette? Encore faim! La chose, viens ici! Par pitié, ne me mange pas! Je ne suis pas en chocolat! Au secours, ne la laisse pas me manger! Un burger noir et un burger rose? Ce burger est tellement énorme, il va me falloir une hache. Hiya! Du ketchup noir et des insectes. Comme je les aime. Il est lourd, mais j'ai hâte de le manger. Je n'aime pas voir Enid heureuse. La chose, viens ici. Oh oh, que mijote mercredi. Regardez ce verre. Enid a besoin d'un peu de croquant dans son burger. La chose sert de distraction. Oh, la chose, quel charmeur! C'est le moment. Un verre ne suffit pas. J'en mets toute une tripotée. Je vais les cacher sous le pain du burger d'Enid. Oups! Coucou! Salut, la chose! À plus! Ok, j'en étais où? Miam! Hein?
Des vers? Quelle douce mélodie que ces cris! Si elle ne veut pas des vers, je les prends. Oh, des toilettes gluantes! Wow! Oh non, ma sucette est tombée dans l'eau! Je ferais mieux de la retirer. C'est dégoûtant! Hein? Ma main est coincée! Je crois que ça me tire dedans! Mercredi, aide-moi! Est-ce que les toilettes avalent les nids? Oh, c'est pas vrai! Pas encore, viens là! Tire! Oh. Oh. Les toilettes ont également avalé mercredi! Qu'est-ce qui va leur arriver? Attachez vos ceintures, mesdames! C'est l'heure du défi alimentaire rose contre noir! Qu'est-ce que c'est? Un houba-bouba noir? Bon! Oh mon dieu! Wow! Était-ce une météore? Oh, c'est un houba-bouba géant! C'est incroyable! C'est énorme! Il peut me durer une éternité! Mercredi est un peu jalouse! Pourquoi le houba-bouba des nids est si grand et celui de mercredi si petit et si banal? Attends, j'ai une idée! Hé, je te défie de faire la plus grosse bulle de tous les temps! Ok, j'en suis! Je vais te battre! Pas besoin de se presser! Je me relaxe. Tu vas perdre! Mercredi est en tête. Alors qu'Enid a beaucoup de mal à faire une bulle. Mercredi a utilisé une pompe tout ce temps. Enid, tu fais du bon travail. Mais Mercredi est une tricheuse. Tu dois être punie. Protection miroir! Ma bulle! Hein? Tu l'as fait exploser! Ce n'était pas attendu. Je suis désolée. Ça s'est mal passé. Il semble qu'il n'y ait pas de gagnant pour ce tour. Oh, deux boîtes mystères. Waouh, je vais prendre la plus grande. Non, la plus grande est à moi. Oh! En fait, je vais ouvrir ma boîte maintenant. Une pop cake noire. Bah, c'est trop acide! Vert? Oh zut! J'ai pas vu l'étiquette d'avertissement! C'est rien, c'est juste très bon! Waouh! Il y a plus qu'une seule sucette! C'est une boîte pleine de popcakes! C'est incroyable! Une pluie de sucettes! Mais pourquoi j'en ai qu'une seule? Oh! Et comment je fais pour manger tout ça, moi? Scotch? Popcake au doigt. J'ai juste fait pousser des griffes. Mais non. Ah, c'est beaucoup plus drôle de manger sur les doigts. Je déteste les popcakes de toute façon. Je vais commencer par ouvrir mon plateau. Quel triste ananas. C'est parce qu'il a un énorme bouton sur le dos. Si mou. C'est l'heure de la chirurgie. Et maintenant, ma partie préférée. Poignarder. Oh mon dieu! Ensuite, c'est le moment d'éclater. C'est tellement collant. On va enlever ce bouton et te faire un petit pansement. Voilà, c'est fait. L'ananas est heureux maintenant. Oh, tu es si gentil. Hein? Maintenant, il est temps de te dévorer. Ouais! Je retire ce que j'ai dit. C'est tellement juteux. D'accord, d'accord. C'est à mon tour maintenant. C'est un fruit du dragon. Waouh! Tranchons-le en deux. Quoi? C'est pas rose à l'intérieur? Oh, je sais. J'ai un Coca-Cola rose juste là. Je vais en prendre un peu et l'injecter dans le fruit du dragon. Il est devenu rose. Je vais compléter avec des paillettes roses. Trop de paillettes! Hé, ferme ta bouche! Désolée. Waouh, regarde ce tapis roulant. Un cactus? Hein? Le tapis roulant s'arrête sur les cactus. On doit manger le cactus, n'est-ce pas?
Oh, tu es tellement bête. Qu'est-ce qu'on est supposé faire avec le cactus si on ne le mange pas? Allons voir. Il y a quelque chose de bizarre. Oh, je pense qu'il faut d'abord enlever toutes les piques. Une par une. Hey! Ensuite, on va donner au cactus une jolie petite coupe de cheveux. Oups, j'ai fait du gâchis. Où sont tes manières? Maintenant, je peux manger mon cactus sans risque. Mmh. Oh, il y a du sirop de fraise à l'intérieur. Qu'est-ce que... C'est tellement bon. J'en veux encore. Oh, c'est si bon. Ah. Et moi? La chose, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Reste ici, d'accord? Oh. La chose a pris le rasoir. Le paquet a été livré à mercredi. Et maintenant, la partie la plus amusante. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais à ma Barbie? Non, ne lui enlève pas ses cheveux! Maintenant, une injection. Non, 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 non! Ma Barbie! Calme-toi, je suis juste en train d'extraire le chocolat de mon cactus. Oh, ouh. Barbie est en sécurité. T'es un monstre! Ce chocolat est le meilleur de tous les temps. Je l'adore. Waouh! Des nouilles avec des œufs. Deux œufs? Seulement un œuf? Bon appétit! Je veux commencer par goûter les œufs roses. Waouh! Oh non, l'œuf est parti directement dans les toilettes! Oups! Au moins, j'ai un autre œuf. Ne bouge pas, s'il te plaît. Ouais! Je vais mettre cet œuf dans un joli moule. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir le moule, de mettre l'œuf à l'intérieur et de le presser. Maintenant, j'ai des œufs de différentes formes rigolotes. Oh là là! Les œufs sont plus savoureux lorsqu'ils ont une jolie forme. Et le mien est tout ordinaire. Je voudrais avoir quelque chose de plus beau. Demande et tu auras! Un gadget pour de la pâte à modeler. Ah, je sais. Je peux mettre l'œuf à l'intérieur pour me faire des lamelles d'œuf. Il faut juste lui donner une petite coupe de cheveux. Ensuite, je vais saupoudrer mes nouilles avec des morceaux d'œufs. Quoi? Je parie que tu peux pas faire mieux que mes garnitures à base d'œufs, hein? Bonjour, monsieur le flamand. Il est temps de manger. Je veux aussi lui donner du chocolat. Ouais, mange tout. C'est un métabolisme assez rapide. Wow, qu'est-ce qu'on a ici? Des bonbons toilettes? Toilettes? Hein? Que se passe-t-il avec ces toilettes? Oh, une sucette! Je peux peut-être la tremper dans le sirop de cerise? Puis dans les pépites de fraises. Voilà! C'est tellement bon! J'adore! Je veux aussi une sucette. J'ai des toilettes ici et pas de sucette. Il y a un caca. Attends, c'est du chocolat? Regarde-moi ça. Ah, pourquoi tu manges du caca? Il semble que tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. C'est tellement bon. Je crois que je vais vomir. Qu'y a-t-il à l'intérieur du ballon? C'est une glace noire! Mon goût préféré. Incroyable! Ça a un goût terrible. Juste comme je l'aime. Monstre! Quel monstre! Mais bon, passons à des sujets plus importants. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette viande crue et pâle? C'est vraiment ennuyeux. Quelle nourriture moche! Blah. Ça va pas le faire. Oh, hé, chef! Je veux que cette viande soit bien cuite. Wow, attendez! Bonne prise. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire cuire à la perfection. L'odeur! Perfecto! Un steak bien cuit, un verre de vin et des chandelles de luxe. Bon appétit! Bien joué, en effet. Est-ce que le poulet de quelqu'un s'est échappé de son poulailler? Oh, attention!
cette poulpe ont des œufs Kinder? Et c'est parti, laissant nos deux filles perplexes. Et si je mettais l'œuf dans le plateau et que je secouais? Il s'est transformé en œuf Kinder géant! Ne touche pas à mon œuf! C'est le mien! Il est si câlin! Oh, je sais! Je vais faire la même chose avec mon œuf Kinder! Secoue, secoue, secoue! Il a grandi, mais il est toujours plus petit que le tien! Mais bon, un œuf est un œuf! Voyons ce qu'il y a dedans! Oh, c'est un œuf rose! Un œuf noir! C'est du chocolat! Oh ouais, la saveur sucrée! Oh, oh, oh. C'est comme un rocher! Je sais, je vais l'ouvrir avec un marteau! Ouais! Des bonbons en forme d'œil? Oh mon Dieu! Eh bien, c'est tout à moi! Yay! Yay! Poule mouillée! Oh, mm. Tu m'as presque fait faire une crise cardiaque! C'est à mon tour de casser mon œuf! Ya! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des biscuits Oreo avec une trempette au chocolat! C'est parfait! Je veux tout boire! Il est bon de voir nos deux filles contentes de leurs œufs Kinder! C'est tellement délicieux! C'est tellement délicieux! Mercredi est là! C'est moi ou bien la chose est bronzée? Cette main... C'est horrible! Allez-y, entrez! Merci! C'est pas la vraie chose, là? Alors la main sur l'épaule de mercredi doit être autre chose! Que pourrait être cette fausse chose? Viens ici! J'espère que personne ne me regarde! Miam! Tu manges une main? Hein? Ok. C'est du gâteau, bande de bêta. Voici la vraie chose. En tant que poupée Barbie, elle peut devenir qui elle veut. Même une délinquante. Pas de friandises à l'intérieur. Quoi? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire une exception? Juste pour moi, s'il vous plaît. Eh bien, peut-être que... Non. Donnez-moi ça. Vous ne rentrerez pas avec vos friandises. Lâchez! Mon ongle! Oh là là, vous avez cassé mon ongle! Eh bien, c'est de votre faute! Vous savez combien de temps ça prend? Qu'elle va faire Barbie maintenant? Du Nutella et un ongle cassé? Elle mijote quelque chose. D'abord, j'enlève le papier. Puis, je l'aplatis. J'enroule le bonbon autour de mon doigt et je forme un ongle. Regardez mes ongles en bonbons! Me revoilà! Voici mon ticket! Vous avez une nouvelle coiffure? Ben oui! À la mode, c'est important! Ouais, vous pouvez rentrer maintenant! Oh, je me sens coupable pour tout à l'heure! Oh, enfin! Bonjour! Enchantée! Mamma mia! Elle ronge ses ongles! Tu veux des friandises? Non, j'en veux pas, je veux juste regarder le film. Ah, les chignons, c'est plus qu'un style. Ils peuvent aussi cacher des pots de Nutella. Barbie est vraiment à la pointe de la mode. Je plonge. Trop bon. Voyons comment Mario va rentrer dans le cinéma avec ses friandises. Bonjour, je viens réparer quelque chose dans le cinéma. Pas de problème, je vous scanne d'abord. Oh non! Hein? Pourquoi ça fait bip ici? Donne-moi ça! Elle est moelleuse! C'est du chocolat! Vous croyez que vous pouvez m'avoir? Donnez-moi votre boîte à outils! Je parie que vous avez des friandises là-dedans! Ah ah! Mamma mia! Ce marteau est un chocolat aussi, je parie! Miaou! C'est un vrai marteau! C'est une bonne façon de perdre toutes ses dents d'un coup! Sortez d'ici! Pas de friandises à l'intérieur du cinéma! Qu'est-ce que je vais faire? Un tuyau? Je vais me téléporter! Oh oh! Le tuyau mène aux toilettes de Sonic! Oups! Mauvais tuyau! Sors d'ici, pervers! Pardon, pardon! J'ai pas fait exprès! C'est quoi ce bruit?
Wow, des friandises gratuites. Enfin, j'ai pris le bon tuyau. Hé, Mario, tu partages tes friandises? Bien sûr, j'en ai plein. Je vais prendre un champignon. Le film devient intéressant. Le film d'aujourd'hui est un blockbuster. Cette queue est trop longue. Heureusement, j'ai les bras élastiques. Excusez-moi, pardon, mon ticket est juste ici. Comment êtes-vous arrivé ici? Il va falloir jeter toute cette nourriture. C'est interdit à l'intérieur. Je ne les jetterai pas. Alors vous ne rentrez pas. Très bien, vous êtes content? Bon film. Peu importe. Comment vais-je passer un bon film sans mes friandises? Oh, je sais. Que fabrique Mamie Longlegs? Waouh, ces bras élastiques sont incroyables. Ils vont jusqu'à la poubelle où sont ces friandises. J'espère qu'elles seront toujours là. Bingo! Je les ai! Oh! Qu'est-ce que cette corde fait ici? Oh, cette Mamie Longlegs! Quoi? Venez ici! Non, arrêtez de tirer! Je vous ai eu! Vous vous servez de ce bras comme d'une corde, alors je vous piège avec! Vous n'êtes pas sympa! Comment je vais faire? Maman! Oh, je sais! Que fabrique Mamie Longlegs? Excusez-moi! Voici mon ticket. Oups, ce n'est pas la bonne main. Laissez-moi vérifier vos bras. Vous voyez, ils sont sages. Ok, entrez. Merci. J'y crois pas, il a cru à mes faux bras. Mes vrais bras sont juste ici. Vous voulez savoir comment j'ai fait mes fausses mains? Eh bien, je les ai remplies de Skittles. C'est délicieux. Vous en voulez? Miam, miam. Oups. Voici mon ticket pour le film. Ok. Arrêtez, arrêtez. Pas de nourriture à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rentrer avec vos Oreos. Oh oh. Une Mégane en colère, c'est mauvais. Une Mégane qui danse, c'est encore pire. Faites attention. Donnez-moi ces lunettes moches. Ne me forcez pas à vous faire de mal. Je vais vous asperger si vous ne reculez pas. Oh, je suis sérieux. Une seconde. Des lunettes? On dirait que Mégane mijote quelque chose. Des Oreos et des lunettes. Elle est partie. Je lui ai fait peur. Des Oreos sur des lunettes de soleil? Quelle astuce stylée! Je vais vous scanner. Vous n'avez pas besoin de ce scanner stupide. Pourquoi ça marche pas? Bon. Allez-y. Bon film. Mission accomplie. Qui porte des lunettes de soleil au cinéma? Heureusement que le garde n'a rien demandé. Du moment que Mégane peut manger ses Oreos, c'est l'astuce idéale. Oh waouh, elle a même des boucles d'oreilles Oreo. Quel look! Miam, miam. Même les super-héros enfreignent les règles parfois. Spider-Man? Des Skittles? Oh oh, Spider-Man va se faire disputer. Sale insecte! Tu en as beaucoup de nourriture cachée? Sors-moi tout ça! Je crois que Spider-Man s'est transformé en piñata. Arrêtez de me taper! Oh non! Je croyais que c'était bon. Très bien, je vais regarder le film sans nourriture. Sale insecte! Je ne crois pas que les super-héros abandonnent si facilement. Il y a bien un autre moyen. Ma toile! Je peux tirer sur les sachets avec ma toile. Yes, je les ai! Quelque chose a bougé? J'y crois pas! Ça a marché! J'aimerais bien une boisson. Génial! J'espère que ça va être des bonbons cette fois-ci. Ouh, celui-ci va être énorme! C'est le distributeur ou quoi? Allez, tire! Tire! Un distributeur qui parle? Oh, bonjour! Mais cet insecte est vraiment énervant! Je suis désolée, je suis désolée! Sors d'ici, l'insecte! C'est la poupée de Squid Game! Vous êtes là pour le film? Oui. C'est quoi dans votre gamelle? Des cookies au miel.
Des cookies? Oh, 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 non, non. La nourriture est interdite à l'intérieur du cinéma. Comment osez-vous m'interdire mes cookies? Il va le payer. Hein? Détective Pikachu. J'ai une idée. Voyons ce que fabrique la poupée de Squid Game. C'est de la pâte à cookies sur une loupe. On dirait qu'elle mijote quelque chose. Bien sûr, on n'oublie pas les figures géométriques Squid Game. Détective poupée Squid Game est là. Il fait si froid. Ouh. Je fais semblant de chercher des indices. Excusez-moi. Bonjour, il faut que je vous scanne. Taisez-vous. Vous ne voyez pas que je recherche un criminel? Certainement, détective. Entrez. Je surveille de mon côté. Eh bien, les détectives sont forts pour résoudre les problèmes. Et la poupée a réussi à résoudre son problème de cookie. Personne ne pourrait deviner qu'il y a un cookie dans la loupe. Elle en mérite un pour avoir accompli sa mission. Le gardien prépare la salle de cinéma. Voici les premiers spectateurs. Un diable à ressort? Bon film! Cette boîte est louche. Il y a quelqu'un dedans. Hein? D'où vient cette boîte? C'est quoi ça? Il y a une poignée? Wow! Des mains de monstre? C'est Boxy Boo! Ne me faites pas de mal! Hein? C'est de la nourriture dans vos mains? Pas question! La nourriture est interdite à l'intérieur du cinéma! Dégagez! Oh, pauvre Boxy Boo! Que peut-il faire? Il a vu un électricien qui réparait un ordinateur! On dirait que Boxy Boo vient d'avoir une idée. Une canette de coca vide. Et des fils. Pourquoi faire? Il lui faut aussi un sac en plastique. Pour verser son coca. Il va se servir du fil comme d'une paille. Et cacher tout ça dans sa boîte. Vous revoilà. Pas de bol, je dois vous scanner. Quelque chose a été détecté. C'est quoi ces fils? Hé! Hey, c'est mon bras en spirale! Ah oui, bien sûr, vous pouvez rentrer. Merci, mon pote. C'était moins une. Boxy Boo est enfin rentré juste à temps pour le film. Encore mieux, il a son coca sous le bras. Que demander de mieux? C'est pas Spider-Man qui est maître suspendu à l'envers? Je pensais pas qu'un petit Pokémon pouvait porter autant de nourriture. Pikachu! Sors d'ici! Même l'adorable Pikachu ne peut pas enfreindre les règles. Attention, monsieur le gardien, Pikachu mijote quelque chose. Du maïs? Que va faire Pikachu? J'ai manqué un truc. Arrêtez, je dois vous scanner. Vos oreilles sont plus droites que d'habitude. Bon, vous pouvez rentrer. Heureusement que Pikachu est jeune. Le maïs s'est confondu avec ses oreilles. Vous savez ce qui est encore mieux que le maïs? Le pop-corn. Juste quelques éclairs pour transformer son maïs en pop-corn. Oups! Pikachu aurait peut-être dû faire ça dehors. Au moins, il ne se sent pas transformé en pop-corn. Ça, c'est un look! Willy Wonka est là aussi pour voir le film. Excusez-moi, monsieur. Je suis ici pour voir le film. Vous pouvez regarder partout. Pas de bonbons cette fois. Et vos chaussures? Êtes-vous sûr de vouloir vous approcher de mes pieds? Allez-y. Voyons. Ah, c'est quoi cette odeur de pourri? Entrez avant de me détruire les narines. Je ferais mieux de me dépêcher. Je ne veux pas être empêchée de voir un film. Maintenant, mes bonbons. Ils sont sains et saufs. Et délicieux. Oh non, une autre file interminable. Il est d'habitude si rapide, Sonic va être super impatient. Heureusement qu'il a son pouvoir. Avec sa vitesse incroyable, il a arrêté le temps. Pas de nourriture! Il a tout le temps pour jouer des tours. Mommy Longlegs a besoin d'un câlin. Oh, popcorn. Je vais le prendre, merci. Ce gardien n'a pas besoin de pantalon.
En un rien de temps, Sonic est le premier à rentrer au cinéma. Maintenant, le temps peut reprendre. Pourquoi j'ai une moustache? Au secours, je suis tout emmêlée! Où est mon pop-corn? Pourquoi mon pantalon est descendu? Oh oh, il y avait une caméra de surveillance. Docteur Eggman a tout vu. Incroyable! Attendez que je revienne en arrière. Sonic, tu vas payer! Je vais me servir de la pierre du temps! Je vais te coincer! Oh non, que va faire Docteur Eggman? Tu veux jouer avec le temps? Tu vas voir! Ça a marché! Maintenant, je peux jouer avec toi. Tu vas repartir d'où tu viens avec le bouton arrière. Il va falloir repartir au tout début de la vidéo. Wow, que se passe-t-il? J'ai perdu le contrôle! Sors d'ici! Tenez, ça pourrait vous servir. Pourquoi il me faut une télécommande? Bon. Oh! Allez, sors! Oups, Aiden n'aime pas quand ça éclabousse. Mario! Mario! Mais enfin, Mario était dans le bain! Mais bien sûr, Aiden est plus important. J'aime pas quand ça éclabousse. Vraiment? J'ai une idée. Cette brique va nous donner un objet spécial. Voilà, de la poudre anti-éclaboussure. C'est parti! On doit verser toute la poudre dans les toilettes pour être sûr qu'il n'y ait plus d'éclaboussure. Tu es prêt? Essaye! Ça a marché! Pas d'éclaboussure! C'est génial! Merci Mario! Bien joué Bowser! Il est plus rapide que Flash McQueen! Oh oh! Pas les toilettes! Non Mario! Mario lui aussi est en plein milieu d'une course Mario Kart! Espérons qu'il ne finisse pas dans les toilettes! Mario, aide-moi! Que s'est-il passé? Bowser a fini dans les toilettes! Je sais! Viens ici! Tu vas me taper? Tu es bête! Je t'ai fait un circuit pour les toilettes! Quelle invention géniale! C'est reparti! Mario lui aussi doit retourner à sa course Mario Kart! Il a un trophée à gagner! Je crois qu'Aiden est en train de mettre un peu trop de dentifrice. Et il n'en veut même pas! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Aiden, tu devrais être en train de te brosser les dents. Mais le dentifrice sent trop la menthe! Que penses-tu d'un mini Bowser comme bouchon? Tu le nourris au dentifrice et il l'évacue! C'est rigolo, non? Allez, lave-toi les dents! Je veux pas! Mamma mia! Je veux manger du Nutella! J'ai trouvé! Donne-moi ça! Je vais faire du dentifrice Nutella! C'est parfait! Et maintenant, Bowser a la diarrhée. Au chocolat! Vas-y, essaye! Mmm, comme du chocolat à la menthe! Tous ces champignons qu'il a mangés sont difficiles à évacuer. Et qui a volé tout le papier toilette? Il y en a plus? Il n'y a plus de rouleau! Sauf un sur la baignoire. Oh non! C'est Bowser! Méchante tortue! Mario! Même la plante piranha a entendu ce cri de détresse. Que se passe-t-il? J'ai plus de papier! Tu n'as pas besoin de papier! Que mijote Mario? J'ai un gadget pour toi! Ah! Méchante plante, lâche-moi! Ok, voyons voir. Ah ah! Je l'ai trouvé! Waouh! Ce bidet a une pompe! Et regardez comme il lave facilement ses ballons! Tu as fini? Pas besoin de tirer la chasse! Il y a juste à vider l'eau! C'est très facile! Aller aux toilettes devrait être agréable, mais pas quand le siège des toilettes est froid! Mario va-t-il pouvoir apporter son aide? C'est quoi le problème? Je suis gelée! Le siège des toilettes est trop froid! Vraiment? Peut-être que la chaleur d'un sèche-cheveux va te soulager? Bonne idée! Mes fesses sont toutes chaudes!
Et pour le siège des toilettes? Un squishy Mario? Je sais! Rassemblons tous les squishies! Heureusement qu'ils sont autocollants pour que je les mette sur le siège des toilettes. Ils vont le réchauffer. Hayden, ton siège est prêt. C'est super confortable et tout mou. Tu peux les écrabouiller comme tu veux. Wow, ces toilettes sont trop hautes pour Hayden. Il ne peut pas s'asseoir si haut. Oh, Mario! J'entends un cri de détresse. Oh, salut! Quel est le problème? Les toilettes sont trop hautes! Que faire? Oh! À quoi va servir cette brique? Tu peux t'en servir de marche! Allez, monte! Waouh! Je me sens si grand! C'est super! Berk, quelqu'un a un mouchoir? Ou encore mieux, lave-toi les mains dans le lavabo! Et on a un problème, Hayden n'arrive pas à atteindre le robinet! Je vais m'essuyer sur le lavabo. Que se passe-t-il? Mamma mia! Que faire? Une bouteille de shampoing? Je sais! Que fabrique Mario? On va nettoyer le slime avec ce squishy. Il n'a plus faim! Et je vais me servir de la bouteille de shampoing comme pont pour rapprocher l'eau. Quel génie! Pfiou, tout le slime est enfin parti! Bravo! Il est temps de finir cette douche. Une bonne douche, c'est si relaxant. Oh non! Le savon est trop glissant! Oh oh, attention! Je ne savais pas que Mario faisait du skateboard. Il est à l'arrivée de la course Mario Kart. Wow! Oh! Oh mon dos! Ça a dû faire super mal. Il faut qu'on règle cette situation savonneuse. Un nez géant? Encore mieux, un distributeur de gel douche. Si seulement il était aussi facile de se débarrasser d'un rhume. Super facile! Et fini les accidents de skate! Le meilleur jeu du monde, Mario Bros. C'est le roi Boo! Wow! La manette a fait un petit plongeon dans les toilettes. Mario lui aussi est trempé. Et c'est game over. J'ai pas fait exprès de lâcher la manette. Burk, c'est dégoûtant. Il faut qu'on s'assure que cela n'arrive plus jamais. Ce sont les collants de Mario? Ils vont très bien au siège des toilettes. Et pour que ce soit plus pratique, on coupe un trou au milieu. Voyons. Fiu, elle n'est pas tombée. Et un canard en plastique? Non, c'est bon. Cool! Retournons au jeu. Je sens qu'Hayden va gagner. Lavons tes cheveux bien comme il faut. Ah! J'ai du shampoing dans les yeux! Oh non, désolé! Qu'as-tu fait à mon petit? Viens, je vais t'essuyer. Ce n'est rien. Irresponsable! On dirait que Mario a remarqué quelque chose. Que va-t-il faire avec une couronne? Waouh, c'est une casquette de douche en forme de couronne! C'est super pratique pour éviter que le shampoing n'aille dans les yeux d'Hayden. Le docteur est là pour les échographies. Moi d'abord! Pour tout cet argent, bien sûr! Je veux passer en premier! Je vous donne toutes ces pièces d'or! L'or est bien mieux que l'argent! Princesse Peach passera en premier! Vous devriez avoir honte! Je vais être riche! Alors, commençons l'échographie. Voyons. It's me, baby Mario! Woohoo! Oh, il est trop mignon! Le bébé vient de sauter? C'est à moi! Vite! Je vais pas faire attendre l'argent. Allons-y! Avant tout, l'argent, s'il vous plaît. 1 000 $. C'est bon! Commençons l'échographie. Je vais poster un selfie sur Instagram. Une poupée magnifique comme maman. En pleine forme et riche. Quoi? Je vous paye une pièce. Une seule pièce? Pas question. Oh oh, mercredi n'est pas contente. Hein? Où est la sonde?
La chose a volé la machine pour mercredi? Je vais le faire moi-même. Pas besoin de docteur quand on peut faire son échographie soi-même. Bien joué la chose. Voyons ce bébé. Excusez-moi, mais vous n'avez pas payé pour l'échographie. Oula! Vous voulez faire du mal à ma maman? Je veux juste la sonde. Salut! Pas de doute, c'est bien le bébé de mercredi. Votre repas! Du porridge aux insectes. Mangez! Le goût est assez unique, n'est-ce pas? Je pensais que mercredi aimerait manger des araignées. Burk! Barbie, elle aussi, doit manger le porridge aux insectes. Burk, prenez tout cet argent, je veux quelque chose de meilleur. Ça marche. Un sandwich à la saucisse? Enfin de la vraie nourriture. Je dois y aller. C'est vraiment pas juste. Évidemment, Peach doit manger le même porridge. Burk, tenez un lingot, donnez-moi quelque chose de bon à manger. Une pizza? Délicieux! Quoi? Pourquoi elle a le droit à une pizza? J'en veux une! J'ai plus de pizza, mais voulez-vous de la crème chantilly? Je pense pas que la crème chantilly aille bien avec les saucisses. Mais au moins, Barbie est satisfaite. Je veux du sucré aussi! Alors, une part de gâteau. Une bonne addition à votre pizza. Ça va pas du tout. Je veux pas de gâteau. La crème chantilly n'est pas bonne non plus. Je m'en fiche, mangez. Oh là là, mangez et puis c'est tout. Pas évident de dormir quand on a un ventre énorme. J'en ai assez, j'appelle les renforts. Aidez-moi, hein. Une licorne? C'est Ken. Je t'ai amené une bouée. Merci d'être venu. Que m'as-tu amené? Hein? Une bouée? Pourquoi faire? Lève-toi et je vais te montrer. Allonge-toi sur la bouée avec ton ventre dans le trou. D'accord. Comme ça? Waouh, c'est super confortable. Tu vois? Et une licorne pour te faire des câlins. Tu es le meilleur petit ami du monde. Fais de beaux rêves. C'est mignon. Maintenant, Peach est jalouse. Si seulement... Oh! Hello, it's me! Waouh, Mario! Je t'ai amené quelque chose! Waouh, un oreiller de grossesse! C'est génial, il est tellement confortable! J'y vais! C'est super, ça! Son ventre se repose sur l'oreiller. Ils font trop de bruit! Il faut que je ferme le couvercle. Oh oh, son ventre empêche la fermeture. Oh, la chose! Que va faire la chose avec un couteau? Il ne va pas lui couper le ventre! Quoi? Ah, ouf! Il a juste fait un trou dans le couvercle pour passer le ventre de mercredi. La chose travaille bien de ses mains. Boire une bouteille entière de jus de fruits va complètement remplir sa vessie. Oh mince, j'ai envie de faire pipi! Police, venez ici! Emmenez-moi aux toilettes, s'il vous plaît! Les toilettes, hein? Pas de problème, allons-y! Moi aussi, j'ai envie de faire pipi! J'y vais en premier! Ouais! Une main! Je voudrais aussi aller aux toilettes! Prenez mon argent, j'y vais en premier! J'ai un lingot d'or! Évidemment, l'agent choisit l'or! Il a ses priorités! Oh, dépêchez-vous! Vous avez 5 minutes, pas plus. Peach ne rentrera jamais dans ces toilettes sales. Burk, quel monstre habitait ici? Vous allez m'emmener dans des toilettes de luxe. Par ici, s'il vous plaît. Tout est en or, comme vous aimez. C'est parfait! Ah. Enfin, quel soulagement! C'est à qui? À moi, à moi, à moi! J'ai de l'argent! Désolée, la fille riche passe en premier. Allons-y! Ah! Pas question d'utiliser ces toilettes sales! Encore de l'argent! Venez, vous pouvez utiliser celle-ci! Excusez-moi! Dégagez! Il y a déjà quelqu'un! Oups, essayez la porte à côté. Waouh, tout est rose. Ces toilettes sont faites pour moi. Ah, enfin soulagée. Cool, du papier toilette en billets. C'est à moi maintenant. Wow,
Vous m'avez fait peur. Mais, attendez, comment êtes-vous sorti? Qu'est-ce que... où sont mes clés? Oh, petite Maline. Donne-moi ça. Allez, je vous emmène aux toilettes. Voilà. Quoi? Pas question. Mercredi offre une pièce d'un dollar, mais bien sûr, ce n'est pas assez pour l'agent. Je vous achète vos chaussettes. Mes chaussettes? Que va faire Mercredi avec les chaussettes de l'agent? Ah, je vois. Les chaussettes vont recouvrir le siège des toilettes. En plus, c'est chaud. Il faudra juste les mettre au sale après utilisation. C'est l'heure du bain pour ces dames. Évidemment, la méga riche passe en premier. Je parie que sa baignoire est moche. Un bain doré pour vous, Princesse Peach. C'est magnifique. Prenez mon peignoir et dégagez. Ah, relax. C'est à moi? Emmenez-moi dans ma salle de bain. C'est long tout ça. Vous avez un rideau et un espace douche rien que pour vous. Super! Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Oups, pardon. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, je peux pas toucher mes pieds. Il me faut de l'aide. Wow, tout cet argent. En échange contre ces bottes. Intéressant. On verse du savon et de l'eau dedans. Jusqu'en haut. Barbie peut se laver les pieds sans problème. Elle trempe ses pieds et chante sous la douche. Et en deux temps trois mouvements, ses pieds sont propres. Ce gadget est vraiment malin. À vous, Mercredi. Votre baignoire est derrière vous. Juste une petite cuvette. Oh, tournez-vous et donnez-moi un peu d'intimité. Oups, je ne vois rien. C'est une belle cuvette. Il faut juste se faire tout petit. Merci pour le savon, la chose. Tu es une gentille main. Regardez cette minuscule baignoire. Cette loseuse. Mais c'est une cuvette. Vous appelez ça un bain? Oh oh, les filles ont mis Mercredi en colère. Que mijote-t-elle? Je voudrais emprunter ta pomme de douche. Oh oh, ça va mal finir. La douche de Barbie a besoin de couleur. Voilà, bonne douche. Passons au rinçage. La la la. On a un petit problème coloré. Oh oh, ce sont des piranhas. Mes copains veulent jouer avec toi. Oh, quelque chose m'a mordu. La femme de ménage a beaucoup à faire. Et on dirait qu'elle a le temps de toucher des ventres de femmes enceintes. Un bidon? Il faut que je touche. Il est si gros et doux. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Prenez mon argent et partez. Cool, maintenant je suis riche et je peux toucher un bidon. C'est pas assez? Alors prenez mon pistolet à billets. Wow! Ok, ok, je prends. Oh, un autre bidon! Enfin! Un bidon! Non, non! Arrêtez! Je dois le toucher! Non! Je t'ai eu! Pas si vite! C'est pas trop tôt! Il y a un ventre là-bas que tu peux toucher. C'est mercredi. J'y vais! Je vous surveille. Princesse Peach est interdite d'accès. Merci, monsieur l'agent. Votre bidon est si gros! Qu'est-ce que... qui vous a autorisé à toucher mon ventre? Dégagez ou sinon... Wow! Pas besoin, j'ai un plan. Que va faire la chose avec ses clous? Il va décorer le ventre de mercredi? C'est tellement ennuyeux. Il vaut mieux en rajouter jusqu'à ce que tout le ventre soit couvert de clous. Personne n'osera toucher un ventre comme ça. Aouh! Ça pique! Oh! Bien joué, la chose. Check. Que font les filles aujourd'hui? Waouh, une poussette royale! Elle est enfin arrivée! Elle est parfaite! Voici votre paiement. Wow! Je vous donne un lingot si vous me donnez la poussette. C'est pas possible! Voici le lingot. Yes, c'est un vrai!
Une poussette en or me va beaucoup mieux. C'est pas juste. J'ai acheté en premier. Je me sens un peu coupable. J'ai une idée. Waouh, une poussette en argent. Rien de mieux pour mon bébé. Merci. Wow, je veux une poussette gothique. Une pièce d'1 $ pour une poussette gothique. À ce prix-là, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est une commode derrière vous. Que fabrique le livreur? C'est bon. Arrête de me faire sursauter. Je peux rien faire de mieux que ça. Au revoir. Juste un tiroir vide. Mercredi va pouvoir l'améliorer un peu. Si je peux pas acheter de poussette gothique, je vais créer quelque chose. Heureusement que j'ai de la peinture noire. Je vais tout recouvrir de noir comme mon âme. Ensuite, j'ajoute des chaînes rouges et argent autour. Des draps dedans. Et un oreiller dessus. Mon bébé va adorer son berceau suspendu. Eh bien, on dirait que toutes les filles sont contentes de leur poussette. Chacune leur style. Je me mets du vernis. Oh, mon bébé me donne des coups de pied, j'en ai mis partout. Oh non, comment faire? Oh, peut-être que la musique la calmera. Tiens, tu peux emprunter le casque de maman. Son bébé prend de nouveaux selfies. Ah, enfin, ça a marché. Maintenant, je peux finir mes ongles. Oh, mon bébé me donne des coups de pied. Oh, bébé Mario fait peut-être un cauchemar. Le casque marchera peut-être aussi pour toi. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'aide. Qui est-ce avec l'agent? Eh bien, c'est la célèbre Billie Stylish. Lâchez-moi. Ça marche. Il adore votre voix. Bébé Mario est dans l'ambiance. Toute cette musique a bien aidé les bébés. Mais ça commence à embêter mercredi. Oh non, maintenant mon bébé proteste. Eh bien, un vrai caprice. Une seconde, je me souviens de quelque chose. Que va faire mercredi avec ses conserves vides? Je relie les conserves avec une ficelle et elles me servent de téléphone pour que mon bébé m'entende. Il était une fois une nuit de tempête, un énorme monstre effrayant. Ça marche! Rien de mieux qu'une petite histoire d'horreur pour endormir bébé mercredi. Super, mon bébé s'est endormi. Je vais me reposer aussi. Mon bébé arrive! Regardez ses os roses! Je vais accoucher! Oh, oh non! La poche de mes os dorés a rompu! Mon bébé arrive! Oh, j'ai mal au ventre. Et ma poche des os a rompu. C'est pas de l'encre de pieuvre, ça. Mercredi va accoucher. Le docteur a du boulot aujourd'hui. Toutes nos femmes enceintes sont prêtes à accoucher. Je commence par qui? Moi, moi, je vous paye. Ça me va très bien. Je peux vous donner plus d'argent. Wow, une valise pleine de billets? Je peux pas refuser. Quoi? J'ai juste une pièce d'1 $. Vous serez la dernière. Allons-y! Évidemment, le docteur a choisi celle qui offrait le plus d'argent. Laissez-moi poser mes billets. Vous êtes prête à accoucher? Respirez profondément et poussez! Je fais ce que je peux! Elle est sortie! Oh, regardez votre jolie petite fille méga riche! Mon bébé en or, tu es comme ta maman. C'est mon tour. Vite, j'en peux plus. L'argent d'abord. Ça suffit. Maintenant, bébé. Respirez profondément et poussez. Je vois la tête. Encore une poussée. Elle est là. Votre bébé riche est en pleine forme. Oh, comme elle est belle. Mon bébé. Mercredi souffre en silence. Venez ici, femme de ménage. Vous allez m'aider à accoucher tout de suite. Je la balaye? Non, je tire dessus avec mes propres mains. Oh! Allez, poussez! Vous avez un gros bébé. Je pousse!
l'ai attrapé. Votre bébé s'est volé. Voici ta maman. Mon petit bébé gothique. Tu es enfin avec ta maman.